Erwan a décidé donc l'année dernière d'aller voir monsieur le maire et de lui demander si c'était possible de faire une journée de nettoyage dans Albertville parce qu'elle a vu qu'il y avait des déchets de partout dans Albertville et ça lui a pas trop plu. Du coup, nous, de notre propre initiative, tous les dimanches, on est allé nettoyer autour de notre quartier en fait. Et du coup, elle voulait faire plus grand, que les gens d'Albertville puissent lui donner un coup de main. Et du coup, bah, le maire a été d'accord avec toute son équipe pour nous aider à monter ce projet. Et du coup, ce qui fait que maintenant, on fait la World Cleanup. Là, aujourd'hui, c'était une journée du nettoyage de la planète. Une belle journée, ensoleillée, et puis qui a permis de récolter beaucoup de déchets. Alors on peut regretter qu'il y ait encore autant de déchets à récupérer, notamment dans la forêt de Rhône, hein, on voit la grosse benne qui a été ramenée derrière. Il y a le nombre de mégots également, qui est toujours un nombre impressionnant de mégots qui sont jetés par terre. Donc il faut qu'on continue à faire de la pédagogie, mais il faut surtout que les Albertvillois et les gens qui traversent notre territoire se responsabilisent et arrêtent de jeter des déchets dans la nature. Alors aujourd'hui, on a mobilisé des Albertvillois, des associations telles que Protégeons la forêt albertvilloise, Décathlon également qui était un partenaire pour cette journée, et puis sans qui ça n'aurait pas pu se faire, c'est les services techniques de la mairie d'Albertville qui se sont mobilisés aujourd'hui samedi pour assurer la logistique, pour assurer le transport de ces déchets, pour les amener ici, pour en faire une pesée générale et aussi les remercier de leur investissement. Alors c'est aujourd'hui, mais c'est surtout au quotidien que ces agents de la propreté urbaine travaillent pour les services et pour les Albertvillois. Et du coup, on ramasse tellement de choses toutes les années, c'est incroyable de tout et de n'importe quoi. Il faudrait que les gens ils prennent conscience que c'est leur planète et que si on n'en prend pas soin, et bah, dans pas longtemps, elles vont nous faire payer cette planète. Elle va exploser, tu crois? Alors j'espère que cette journée aura été une journée de sensibilisation pour les Albertvillois et que cette journée soit un lointain souvenir dans plusieurs années puisque tout le monde sera responsable et respectueux de sa planète.